Bon début de championnat pour cette équipe, Pierre. À mon avis, elle peut viser la montée. Un petit mot sur les deux équipes. Sur le papier, c'est très équilibré. Oui, on peut en effet s'attendre à un match très équilibré. L'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. Voici les joueurs, hein, retenus par l'entraîneur de Liverpool pour démarrer cette rencontre. Alors, on découvre l'organisation mise en place par l'entraîneur aujourd'hui. Il va faire jouer son équipe en... La faute. Attention, là, au jaune, avec ce tacle un peu limite. Ah oui, et l'arbitre qui applique le règlement, hein, tout simplement. Cette faute méritait bien un carton jaune. Un bon coup à jouer sur ce coup franc en jouant dans la sortie. Modric, le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Isco intercepte. Benzema. Ah, le bon ballon de Benzema. Voilà, attention à la frappe. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Toni Kroos. Le ballon aérien pour essayer de trouver Gareth Bale. Benzema. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Interception de Carvajal. Karim Benzema. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Fabinho, Wijnaldum. Allez, dans le couloir. Ça sera une sortie de but. Roberto Firmino. Le ballon par-dessus, il cherche Sadio Mané. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. De Gomez. Final. La voilà la frappe. Mais non, c'est à côté cette frappe, mais pas mal. Bale. Et voilà, il n'a pas pu se libérer de la pression et il perd le ballon. Le ballon qui est sorti. De Gomez. Nabi Keita. Roberto Firmino. Un joli coup d'œil du Firmino. Belle passe en profondeur. Le jeu de touche qui signale un hors-jeu. Carvajal. Ballon récupéré par Liverpool. Le ballon qui file en touche. Virgil van Dijk. De Gomez. Sadio Mané. Mohamed Salah. Nabi Keita. Wijnaldum. Isco. Marco Asensio. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Carvajal. Oui, bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. Benzema. Elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. On va peut-être assister à une contre-attaque. Oh, c'est une marque qui vont passer devant, attention. Oui, bien joué, très bien joué de la part du gardien. Excellente sortie dans les pieds. Ah non, le ballon est perdu. Wijnaldum. Toni Kroos.
Toni Kroos. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Non, c'est terminé là, tout le monde est bien revenu en place. Ah, il va centrer, il va centrer. Le centre est pour Benzema. Ah, il s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Belle preuve d'abnégation hein, sur cette action. Ah, le bon ballon de contre. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Et voilà, il y est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Quelle action, Pierre. Surtout, quelle finition. Hein. Oui, c'est vrai. Tout est parfait. Le centre, la reprise de volée. Timing exceptionnel. Les Reds sont pris les devants. Raphaël Varane. Ils attendent une ouverture dans la défense. Ah, elle sera pour le gardien, cette passe. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Karim Benzema. L'égalisation au bout peut-être. Bale. Avec Gareth Bale, on peut dire que le foot gallois a enfin trouvé un successeur à Ryan Giggs. Ouais, des postes un petit peu comparables, mais... Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Mohamed Salah en bonne position. Liverpool qui obtient le corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le gardien qui repousse, attention. Naby Keita. Isco. Gareth Bale, Carvajal. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Fabinho. Oh, il y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et le break peut être fait à la... C'est reparti, le ballon pour les joueurs du Real Madrid. Bale. Et ce ballon qui est récupéré. Naby Keita. Mohamed Salah. Allez, il y a du monde pour reprendre. Il était bien parti le centre, mais il n'y avait personne. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être en profondeur. Attention. Il cherche à alerter Benzema. La défense qui est à la tombée du ballon, mais le danger reste imminent. Ah non, le ballon est perdu. L'interception de Carvajal. Roberto Firmino. Naby Keita. Kroos. Bien joué dans l'intervalle. Toni Kroos, c'est bien vu, hein. Fausse alerte finalement. Modric. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Oh, ça frôle le cadre. Il n'a pas voulu la jouer en force, il aurait peut-être dû.
Ah ouais, superbe, il file au but. Oh, il s'est fait déposséder du ballon au tout dernier moment. Oui, il va centrer là. Il choisit la frappe. Bain. Allez, peut-être une bonne occasion. L'occasion pour revenir au score. Oh oui, elle est dedans. On voit les joueurs qui posent le jeu, qui font bien tourner la balle. Et puis d'un coup, le buteur se retrouve seul face au gardien. Il prend l'information, il marque, c'est nickel. Ça va être un final passionnant. Hein. Ouais, il y a encore pas mal de boulot, mais qui sait. Et 2-1, donc maintenant. Puisnage Doom. On voit bien qu'il ne se précipite. Mohamed Salah. Ah, ça passe assez loin, finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. Sadio Mané. Fabinho. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh, Firmino, très bonne position. Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Gareth Bale. Benzema. Modric. Marcelo. Allez, un centre, un centre. Et le centre bien négocié par le gardien. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Bale. Ouais, il peut centrer. La balle pour égaliser. Ouais, le but qui va être refusé pour une position de hors-jeu. L'arbitre central a décidé de... suivre son assistant. Ah, attention, hein, il n'y aura plus de remplacement après. Allez, touche, pourquoi pas dangereuse pour le Real Madrid. Carvajal. Encore une touche. Oxlade-Chamberlain. Sadio Mané. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Andrew Robertson. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Benzema. Ouais, l'action pouvait peut-être aller au bout, mais bonne interception. Il va peut-être pouvoir égaliser. Encore le gardien, c'est pas fini. Oh, il fallait pas se louper sur ce geste. Bien défendu. Le gardien qui a fait ce qu'il fallait sur cette action, et même un peu plus. Mais attention, hein, il ne pourra pas faire de miracle à chaque fois. Les 30 derniers mètres. Shaqiri. Ouais, il repousse, ça joue. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Et la voilà, la frappe. Ah non, c'est raté. Ah, en plus, c'était une occasion de prendre le large. Lucas Vázquez. Modric, Karim Benzema. La passe est interceptée. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Et le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. Pas mal de monde pour le presser. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match. Voilà, c'est un adversaire qui récupère cette passe.
Le Real Madrid qui s'approche du but. Oui, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Ce contre qui n'ira pas plus loin. Il reste 5 minutes à jouer, toujours un seul petit but d'écart. Oh, c'est bien joué, heureusement qu'il était là. Ah, cette fin de match qui s'emballe. Il reste plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important. Peut-être le ballon le plus important de ce match. Lucas Vázquez, à l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Gareth Bale. Oxlade-Chamberlain. Sadio Mané. Milner. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Centre à destination de ses partenaires. C'est dégagé par Sergio Ramos. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. L'arbitre qui accorde donc un coup franc au joueur du Real. Un petit peu excentré ce coup franc, mais s'il arrive à mettre le ballon dans la surface, ils peuvent avoir une chance d'égaliser. Bon, attention, c'est pas fini. Oh, quel réflexe encore, c'est pas terminé. Ça y est, l'arbitre siffle la fin de la partie. C'est terminé sur cette victoire de Liverpool. Il va vraiment falloir se poser les bonnes questions après cette défaite. Et on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui, hein, Pierre. Un match intéressant avec un but, bien sûr, mais je pense que sa joie vient plutôt du fait que son équipe a gagné aujourd'hui. La faute, attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. Ah oui, et l'arbitre qui applique ballon. Toi Gomez. Vinaldo, elle la voilà la frappe. Mais non, c'est à côté cette frappe, mais pas mal. Au centre, il a vu ses coéquipiers. Et voilà, il y est, l'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. On va mettre Salah en bonne position. Liverpool qui obtient le corner. Fabinho. Oh, il y est. But qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour la... Allez, peut-être une bonne occasion. L'occasion pour revenir au score. Oh oui, elle est dedans. La balle pour égaliser. Ouais, le but qui va être refusé pour une position de hors-jeu. L'arbitre central a décidé de suivre son assistant. Ouais, la passe n'arrivera pas à destination. Et la voilà la frappe. Ah non, c'est raté.